Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, on est de retour dans le vivier, c'est le 91, c'est le Wesh d'Enzo, c'est parti. Wesh le gang, wesh la tête. Wesh t'as cru quoi? Wesh. Y'a les bonhommes et les tempes, les pédales qui courent en une feinte. De freine fleurie à ville peinte, Enzo assume le poteau et le zinc. Mon objectif c'est pas prendre des toffes, certifié diamant sans mettre plein les poches. Pour ça que j'ai quitté la drogue, plus besoin de porter la calache, Nico. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans le 91 pour vous présenter le rappeur d'Enzo qui est âgé de 18 ans et d'origine congolaise. C'est un artiste qui représente le 91, hein, ce vivier, mais lui il est du quartier de la Grande Borne. Il a déménagé à Bretigny, mais il reste très attaché à son quartier, donc la plupart de son temps il la passe ici. C'est un artiste qui a grandi en écoutant LMC Click, La Comera, toujours très 9-1, mais aussi un peu de la fouine du Booba, en tout cas dans ses textes. C'est plutôt l'ancienne génération qui l'influence. Concernant ses projets, il a sorti Atrocité l'année dernière, Atrocité 2 aussi en décembre 2019. Aujourd'hui, on va aller le voir. Quoi? Bien, quoi, mon gars? Cool. On est là, tranquille. On se passe un premier extrait? Premier extrait. Envoie. Je suis la pupille d'or, Grigny Grande Borne. Pour les lois de France, majeur en l'air. Les anciens danseurs sont des nouveaux rappeurs. Et les anciens braqueurs sont des nouveaux dealers. Écoute, j'ai les meilleurs punchlines de mon âge. Et je vais le prouver en live. J'écris des textes avec mon père, mais à chaque fois de mes phrases, ils disent oh le bâtard. D'Enzo commence le rap à l'âge de 13 ans, ils ont commencé à 7, c'était un groupe, aujourd'hui il en reste plus que 3 à rapper. D'Enzo a envie de bien percer en solo histoire de mettre la lumière sur les deux autres et que ça soit un vrai coup de pouce bénéfique. Il a commencé à rapper en regardant les grands de son quartier, hein. Il était dans l'ambiance, il appréciait bien le délire, donc ça lui a donné envie d'enregistrer son premier morceau en studio en 2017 au studio Block à Corbeil. Apparemment tous les gens du 91 connaissent ce studio. Au niveau de ses études, c'est à l'âge de 17 ans, juste avant son bac, qu'il arrête les cours, mais aujourd'hui sa famille le soutient pleinement. Sa mère lui dit quand même de rester concentré, de garder la tête sur les épaules, histoire de percer pour de vrai. D'Enzo, ça va, deuxième extrait? Deuxième extrait, mon gars. Envoie. Le temps qu'on perd, il faut qu'on le rattrape en faisant des sous plus tard. Des délits sur Nigra, une équipe de zonards, on pistait tous les camtas. Chacal, on t'allume, mon t'éteint. Personne va revenir, on a fait nos couilles dans le 9-1. C'est ça qui nous sécurise. Troisième point de cette vidéo, vous le connaissez, c'est l'entourage de l'artiste. D'Enzo, est-ce que tu peux me parler des artistes dont tu es proche dans le game? Koba, ouais. On se connaît bien déjà, avant qu'il pète et même moi avant que tu sois dans la musique. Okay. Après, il y a la MMZ aussi, les Tarterets. Mm-hmm. Après, j'ai fait les premières parties de VG Dream en concert. Okay. Après, j'ai fait Marwalou de Planète Rap. Ouais. Et Niska aussi, Planète Rap. Ok, lourd, ça va, troisième extrait? Troisième extrait. Envoie. Un rappel de dette te met mal à l'aise. Quotidien dur fait dormir dans la caisse. Je dois qu'elle la vie et pas le contraire. La première étape, devenir propriétaire. Venons-en à sa musique. D'Enzo produit un rap vrai. Il nous parle de la rue sans la glorifier. Il cherche juste à nous montrer ce qu'ils vivent quotidiennement. Musicalement parlant, il est capable d'aller sur plusieurs registres, mais comme il nous l'a dit lui-même, il y a des registres sur lesquels il n'est pas encore allé. Il se réserve quelques bastos pour la suite. Concernant les thèmes qu'il aimerait aborder, il y a les meufs, mais il le fera quand il sera prêt. D'Enzo, dans le rap, est-ce qu'il y a des artistes? T'apprécies le délire, même tu te verrais collaborer avec eux. En fait, moi, dans le rap, tout le monde a son délire, c'est ça que j'aime bien. Okay. Moi, je suis juste là pour m'adapter à chaque délire, en gros. Okay. C'est-à-dire, il y a un rappeur qui est chaud pour faire un feat, on fait un feat et on voit ce que ça apporte, D'Enzo et lui. Toi, enfin, de ce que tu nous as dit, t'étais plus sur l'ancienne génération. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste de l'ancienne génération avec qui t'aimerais collaborer? Ouais, Rof. Ah ouais? Rof et D'Enzo feraient le meilleur des classiques. Voilà. Tu l'appellerais comment, le morceau? C'est quoi son place déjà? Classic Man, hein, Rof? Classic Man. Oh, on va trouver un truc entre classiques, voilà, un bail de classique. Vas-y, on se passe tout de suite un quatrième extrait. Quatrième avant extrait. De passer l'exclu. Envoie. Je sais comment faire mon oseille, pas le claquer dans la taille. Le four direct sur la traite, ton check c'est mon check, son n'est pas pareil. Trafic international, coke dans le beat, tu voyages. Paris direct sur Guyane, la blanche est là-bas dans le sac à l'oseille. Hey. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur D'Enzo. N'hésitez pas à aller voir en streaming sur YouTube, histoire de vous faire votre propre idée. Et bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires nous concernant. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. D'Enzo, t'es prêt pour l'exclu ou quoi? Prêt, pareil. T'as un dernier mot à rajouter? Non, tu connais mon gars, juste que Bouscapé est venu dans la vraie favelas. Et c'est bon, c'est parfait. On y va, on envoie? On envoie l'extrait. C'est parti. Tu veux de la salope? Viens, on a. Tu veux nos tarots? Viens, on a. Tu veux des tiro? Viens, on a. Fournir plupart du taf. T'as pas rajouté de Nutella. Mais ces bâtards veulent manger sur ta gauche. Souffrance, silence, réussite, bruit.
bruit. Un débat, les maisons du 10. Fais marcher ta tête, les gens pourront te suivre. L'étendue de mon talent, t'as pas qu'un fil. J'aime trop le foot, y'a bagarre, penalty. Ça parle dans mon dos, mais en face y'aura-t-il. J'enchaîne les passes, Enzo Verratti. Pression et